Notre point de départ est ici, au rond-point d'Emmaüs à Tournord. Notre point d'arrivée, la faculté de droit Hauts de Lyon. Les sites internet estiment notre temps de parcours entre 20 et 25 minutes selon les itinéraires. C'est ce que nous allons voir. Et les premiers mètres du parcours se font sans encombre. Au fur et à mesure, les barrières orange et blanche des travaux du tramway font leur apparition, mais le trafic reste plus que fluide. Petit contretemps toutefois, la déviation de l'avenue Maginot qui nous fait perdre quelques minutes. Arrivé sur la tranchée, rien à signaler, le système des ronds-points semble bien fonctionner. Plus loin, la rue Marceau s'apparente à un long fleuve tranquille. Pourtant, nous sommes déjà en retard sur les prévisions internet. Nous sommes partis depuis 19 minutes et nous ne sommes pas encore sur la place Jean Jaurès. En somme, si la circulation s'articule bien, ce sont les déviations qui grignotent les minutes et allongent les temps d'attente au feu rouge. Du côté des automobilistes, les avis sont donc partagés. C'est des bouchons partout, donc c'est un petit peu la galère. Oh, ça va, ça roule bien, parce qu'à cette heure-là, il n'y a pas beaucoup de monde. Eh bien, nous voilà arrivés, après 34 minutes, 33 secondes et 99 centièmes, soit environ 10 minutes de plus que ce que prévoyaient les sites internet. Mais il faut bien avouer que ce matin, les conditions de circulation étaient plutôt agréables. Si nous étions partis une heure plus tard, peut-être aurions-nous dû affronter quelques obstacles supplémentaires.